Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies de la super pleine lune demain dans le signe du Capricorne. Alors on vous parle de faire un check avec la réalité et aussi de restructurer. Donc ça va passer par une période de regarder les choses factuellement, c'est ce qui me vient avec le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne qui est d'ailleurs occupé par le retour de Pluton. Pluton est rétrograde dans le signe du Capricorne après avoir été légèrement en Verseau, puisque Pluton c'est la planète qui met le plus de temps à traverser chaque signe astrologique, hein, il faut 280 années pour faire le tour, donc il reste quand même une vingtaine d'années dans chaque signe, voilà, fois 12, donc on s'y retrouve et surtout, eh bien on va retrouver certains schémas, certains systèmes, donc à déconstruire. Il y a beaucoup d'énergie, alors on a la maison 12 qui est ressortie. Pourquoi? Parce que depuis à peu près 24 heures, Neptune est revenu, est devenu rétrograde dans le signe des Poissons. Donc forcément, la maison 12 est impactée. On a la maison 8 du Scorpion qui est aussi qui s'est exprimée aujourd'hui pour cette pleine lune, parce que forcément, le signe du Scorpion, donc la maison 8, enfin ce qui correspond à la maison 8, a été occupé par le nœud lunaire sud, le karma, voilà, il y a le dharma, la direction qu'on doit prendre, le karma, le passé, les causes, les conséquences qu'on garde en soi et qui finalement se reproduisent si on ne modifie pas quelque chose de l'intérieur, donc transformation profonde avec la maison 8. Donc une... on va dire, voilà, on a Vénus en Lion, on a Vénus, Mars, pardon, en Lion, on a Jupiter qui va passer dans le signe des Gémeaux, on a, voilà, toute une configuration astrale qui est un petit peu aussi tendue, Uranus en Taureau est en train de révolutionner nos bases, voilà, ce qui nous sécurise avant ne nous sécurise pas. Peut-être plus du tout, et forcément le corps s'en ressent, c'est pour ça que sur Instagram je vous ai demandé comment ça allait, comment vous vous sentiez, et que je fais un peu plus de posts que d'habitude, parce que forcément ça nécessite un regard quasi neuf tous les jours sur la situation, parce que ça peut évoluer très vite, ça peut basculer dans un sens comme dans un autre, et c'est d'ailleurs aussi ce que dit le tirage, c'est-à-dire voilà, à un moment donné, il faut regarder ce qui nous apporte de la, comment dire, de la joie, du bonheur. Et je ne les ai pas rangés exprès. Je voulais vous montrer ce petit truc avant de démarrer l'interprétation et la lecture, on va dire, des énergies sous lesquelles nous sommes. On a le 7, l'enfant intérieur, et le 7, Jupiter, l'abondance. Donc voilà, deux fois du 7. Est-ce que le chariot va ressortir avec le tarot de Marseille? On va voir ça quand je prendrai le tarot. On y va, c'est parti. Alors on vous parle de loi d'attraction. Moi je parlerai de surtout la loi de la vibration. C'est-à-dire que en étant dans une certaine... posture qu'on maintient, qu'on affirme par les mots, les pensées, les émotions, eh bien en fait, on va devenir, on va créer cette réalité-là, on va avoir un prisme de vision, des biais de confirmation, des signes, voilà, peu importe comment vous l'appelez, en tout cas, le cerveau est calibré sur cette énergie, la vibration... on va dire, est envoyé, puisque le cerveau, lui, a des chemins neuronaux, le cœur va ressentir d'une certaine manière, si le cerveau passe en premier, ça c'est ce que j'ai expliqué dans l'outil complétude, c'est mort, on n'a plus de lecture intuitive, enfin de lecture de sa boussole intérieure, donc on est un petit peu perdu, on doute, etc. Et le subconscient, lui, il prend tout comme une réalité. Si vous regardez un film d'horreur, vous sursautez parce que forcément, il y a une transposition avec une réalité qui n'est pas en train de vous arriver. Ça, je le dis toujours en guidance privée, ça n'est pas en train de vous arriver et pourtant vous sursautez. Ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose entre le réseau neuronal du cerveau et les émotions, le subconscient, hein, voilà, ça ne vous est pas arrivé, ça ne vous arrivera probablement jamais et pour autant... vous sursautez. Donc, je tenais à faire cette parenthèse parce que la loi d'attraction, je vois que ça fait plus de dégâts qu'autre chose, dans le sens où on se dit, bah, je comprends pas, je suis positive et j'attire que de la merde, je suis positive et il m'arrive que des conneries, donc je comprends pas, et c'est là où en fait, on se distance
avec, on va dire, l'acceptation, le lâcher prise, la joie, l'innocence. Et ça fait, en fait, on se crée encore plus de nœuds au cerveau, de triturations mentales qui n'ont pas lieu d'être. On se demande ce qu'on a foiré, qu'est-ce qu'on doit travailler. On va aller chercher des karmas qui, ça se trouve, n'existent pas, dans des vies antérieures qui, si ça se trouve, n'existent pas. Voilà, on peut tous s'inventer une vie antérieure de Moyen-Âge, voilà, en se disant, je le paye dans cette vie-ci. On va rester dans cette vie-ci. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, je vibre, j'envoie, je réceptionne ce que j'ai vibré. Donc, pour vous permettre de vous détacher, au lieu de le prendre personnel, hein, c'est un désaccord Toltec, pour garder cette notion de détachement, moi, ce qui m'a aidé, je dis pas que ça va vous aider, mais je vous donne juste cette petite, vous prenez, vous laissez, vous faites comme vous voulez, mais vraiment, moi, je me suis vue comme une petite centrale électrique qui envoyait de l'énergie. Donc, si j'alimentais, il y avait de l'énergie. Si je l'alimentais pas, il n'y avait pas d'énergie. Voilà, c'est comme le corps. Et justement, on vous en parle, Ask Body. Donc, on alimente pas de positivité nécessairement, mais plutôt de concret, de fait, de quelque chose de factuel. J'ai fait la vaisselle, je suis donc quelqu'un qui se met en marche, quelqu'un qui en vaut la peine. Je ne sais pas ce qui peut fonctionner avec chacun d'entre vous, ça c'est en guidance privée, mais voilà, c'est une astuce qui fonctionne quand même pas mal, même si on a la tête dure, comme moi, le crâne des fois assez dur, hein, pour me rentrer un truc dans la tête. Néanmoins, ça fonctionne. Donc la loi de l'attraction, aujourd'hui on vous dit, pour cette carte en tout cas, pour provoquer un changement dans votre vie, adaptez votre énergie. Plus vous allez ressentir de la joie, du bonheur, de la connexion, de l'amour, plus vous allez prendre le soin d'aligner vos pensées à votre fréquence vibratoire. Je pense, donc je suis, disait un certain monsieur. Voilà, je dépense, donc je suis... Voilà, c'est aussi pareil, je ponce, donc j'y suis. Enfin bon, il y a plein de variantes, mais on va garder celle de ce que je veux attirer. Pour l'avoir, il faut que je l'aie déjà en moi. Donc comment je peux l'avoir? Déjà en éliminant ce que je ne peux pas régler tout de suite, en acceptant des situations qui n'ont pas tourné en ma faveur, parce que peut-être que c'était aussi la résultante d'avant. Hein, si vous avez passé quelques mois, semaines, heure à penser une certaine chose, forcément, votre énergie est calquée sur cette chose. Vous conduisez mal, il y a un flash, enfin, il y a un radar, soit il y a un flash, soit il n'y a pas le flash. Mais dites-vous toujours qu'il y a des jalons comme ça, et que régulièrement, on se fait flasher. Et, ah merde, je me suis fait flasher. Oui, mais en fait, la cause, c'était parce que je suis partie en retard, j'étais troublée, j'ai conduit vite, etc., etc. Il y a plein de causes. Mais la conséquence n'est pas le flash, la conséquence c'est après, c'est-à-dire l'amende, le point en moins, le point en plus, c'est-à-dire celui qu'on va récupérer 6 mois après. Donc en voyant plus loin, en se disant « Ok, je sais que sur cette portion-là, je vais devoir faire attention, désormais, voilà, dans 6 mois, j'ai récupéré mon point, donc au final, est-ce que je l'ai vraiment perdu ?» Je l'ai perdu pendant un temps, je le récupère pendant un autre temps. Sauf si je ne prends pas la mesure de ce que ça implique et que je n'ai pas conscientisé que sur cette parcelle-là, il fallait que je fasse attention parce que il y a un radar. Et globalement, je fais attention à ma conduite, bien sûr. Donc, on s'aligne, c'est ça l'alignement, c'est-à-dire je m'aligne avec ce que j'ai envie de récolter, et la récolte, c'est pas le résultat là du flash, c'est les conséquences d'après, donc c'est la finalité du flash. La finalité du flash, c'est Monique du service télétransmission du ministère de l'Intérieur qui envoie le courrier. Ça se fait automatiquement, je pense pas qu'il y ait de personne derrière, mais voilà. Et je paye, ensuite je perds le point, je le récupère 6 mois plus tard. Donc voilà. Donc est-ce que je l'ai vraiment perdu? Si je check la réalité tout de suite, alors des fois il va y avoir des contradictions. C'est-à-dire si là, je viens de me faire flasher, hop, j'ouvre mon compte point sur le site, je vais voir que le point est toujours là, je ne vais pas comprendre en fait, mon cerveau il va vriller, ma logique, elle ne peut pas. Donc là, la pleine lune nous dit aujourd'hui,
On va mettre en lumière, hein, c'est le but de la pleine lune. La pleine lune, c'est pour faire exactement un check avec la réalité, de mettre en lumière tout ce qui se passe et d'éliminer ce qui nuit à, en fait, en termes de croyances, ce qui va nuire à la réalisation de notre souhait. Un désir, ça restera un désir jamais concrétisé si on ne met pas en place des actions alignées. Donc, penser plus loin, c'est aussi ça le message de cette carte, de penser plus loin et de s'entourer de l'énergie adéquate. On ne va plus parler... Moi, j'aimerais qu'on arrête de parler d'énergie positive et qu'on se dise d'énergie adéquate. Voilà. Une énergie adéquate, c'est quoi ? Si je pense à la plus loin dans la finalité, est-ce que mon énergie d'aujourd'hui, mon énergie principale, est adéquate avec mon désir ? Et là, je vous assure, normalement, vous avez éludé, je pensais aux arbres, élagué, voilà. Vous avez élagué les ramifications dans le nawak, dans le what the fuck, et vous êtes en fait... tout simplement, plus dans le lâcher prise. La maison 12, compassion, flou, voilà ce qui me vient. On parle de tout ce qui est mystique, le tout, toute la globalité, tout ce qu'on a envie de garder, d'éliminer, c'est tout ça en même temps. Et ça parle aussi de choses qui sont encore un petit peu balbutiantes, floues, mal définies. C'est Neptune, hein, c'est Neptune dans sa maison, donc la maison 12 et les poissons. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que Neptune est en poisson. J'ai pas checké la maison, je suis désolée. Je voulais pas non plus faire un cours d'astro, hein, mais je pense que c'est important de comprendre aussi ce qui se passe. Ce n'est pas qu'une pleine lune, c'est une pleine lune, un cycle, hein, qui avance avec les bagages d'avant. Donc plus on va enlever les chandeliers de mamie dont on n'a plus besoin, plus on va avancer vite. Mais pour avancer, il faut des fois s'arrêter et regarder ce qui se passe. Donc là, on nous dit que ça représente tout ce qui est manque d'informations pour aller de l'avant, donc l'acceptation de choses qui ne sont pour l'instant pas correctes. C'est un tour de force, hein, c'est vraiment la dissolution des croyances, des frontières, des croyances limitantes, mais avec une définition obligatoire. Donc c'est aussi ça le tour de force, c'est de se restructurer. Et cette pleine lune, elle va faire du bien dans le sens où elle va nous permettre de faire un check de ce dont on a besoin, de ce qui est, de ce qui est à définir, voilà, parce que j'ai la notion de flou avec cette maison 12, on vous dit d'être attentif, de chercher la clarté. Alors on va appeler des cartes au tarot, je fais ce petit jeu maintenant, As d'épée. Le pendu, voilà, ça c'est l'énergie du pendu, hein. C'est aussi l'énergie du 4 de coupons, c'est pas trop, on va se laisser au bord de la route, vas-y, je me repose, on verra bien plus tard. C'est un peu flemme, mais flemme compensatoire, parce que j'ai tellement mis d'espoir que je n'ai rien vu de concret arriver, et j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de redéfinir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Est-ce que ma méthode est bonne ? Est-ce que ce que j'ai envie de récolter correspond à ce que je suis en train de planter ? Voilà ce que nous dit cette maison 12 avec la maison 8 qui nous oblige à affronter la réalité aussi. Hein. Pour se transformer, il faut déjà savoir ce qu'on doit transformer. Et si on ne sait pas, bah, on risque de rester dans cette espèce de boucle, donc floue et en plus qui se répète. Voilà, la maison 8, c'est aussi ça, la transformation pour couper. Ah oui, on peut avoir l'arcane sans nom avec cette carte. Alors, on vous parle de Vénus et de Gémeaux, on parle de communication, de révolutionner. Pour moi, il y a vraiment le côté révolutionner sa communication. Parce que effectivement, avec Vénus, on peut avoir une notion un peu biaisée des choses. Vénus, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est ce qu'on veut attirer, c'est la séduction, c'est Aphrodite. Hein. Mais il y a aussi Vesta. Vesta, elle est là, et on a Junon. Voilà. Donc là, on a les deux gardiennes de la famille, du couple, de l'union, qui est en train de veiller au grain. Donc c'est bien de dire des choses très jolies, encore faut-il que derrière, les actes doivent suivre. Et là, on a donc Vénus qui revoit un peu sa vision, hein, j'ai besoin d'une trêve. Alors on a quand même l'amour et l'union du couple qui est sorti. Et pour moi, la communication doit être revue dans le sens, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que
j'en ai les moyens avant de promettre quelque chose? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que, en étant honnête envers moi-même, parce que le flou gaussien, là, la maison 12, elle peut aussi nous faire dire un peu n'importe quoi. Ou alors, de ne pas, enfin, comment dire, de rêvasser au lieu de passer au concret, au lieu de passer à l'action. Donc, on parle de spiritualité, de clairaudience, de médiumnité. Moi, je pense qu'il va falloir aussi nettoyer, désintoxiquer certaines choses, parce que là, en ce moment, les énergies sont lourdes, les choses sont confuses. Voilà, j'ai pas mal de gens qui m'écrivent, hein, qui me disent, voilà, en ce moment, c'est flou, je sais même pas pourquoi je vis ça, je sais même pas pourquoi je ressens ça, tout va bien, mais pourtant, je pleure. Voilà, c'est un peu ce qui se passe, on va dire, énergétiquement. Donc, Junon, qui est là pour veiller au grain, Junon et Vénus, enfin, s'aimaient pas hein, du tout. Voilà, Aphrodite et Junon, enfin, Aphrodite et Héra, si je dois être précise, voilà, pour la mythologie grecque, qui est plus ancienne, ben, en fait, elle se kiffait pas. Il y en avait une qui était frivole, Vénus, et Junon qui était carré, mariage, sérieux, fidélité, amour pour toujours. Mais pas dans le côté romantique de la chose, vas-y, viens, je te séduis. Non, c'est un devoir quasi, c'est un sacro-saint en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose de porteur. L'autre est un petit peu plus flou, voilà. Bon, après, vous, comment dire, dans l'état d'esprit, on a envie de légèreté. Maintenant, c'est comment on va aussi s'engager envers soi-même. Hein, l'amour de soi, ça commence par l'amour de soi. Donc la compassion, être plus souple aussi et se dire je prends mon destin en main. Regardez, là on a la carte du vertex. Je prends mon destin en main. Donc part de fortune avec ici. L'observateur, il est là. On a la sagesse. Donc, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Je prends en main moi-même. Je n'attends pas que ça vienne des autres, puisque là, Vénus en Gémeaux, c'est plutôt, voilà, je vais clarifier ma vision, approfondir ma communication, m'exprimer avec amour, avec tendresse, avec, voilà, hein, on a la révolution, enfin le révolutionnaire, et puis avec Junon, on est dans l'amour, on est dans quelque chose de partagé, on veut que ce soit concret, solide, stable. Donc il y a aussi du 10 de denier, reine de denier, avec Junon, je pense aussi, alors on a les amoureux, hein, bien sûr, Vénus, Gémeaux, ça c'est la carte des amoureux, mais il y a aussi ce positionnement, j'ancre dans la réalité avec des choses concrètes que je montre, que je prouve par mes actes, hein, donc voilà, ça peut être aussi la reine de bâton. Donc on a le pendu, la reine de bâton, voilà, je referai un topo, mais avec sagesse, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Ce qui m'apporte le bonheur, c'est aussi de me sentir valable, estimée, voulue, choisie. En prenant mon destin en main, je vais de moi-même affronter une réalité, hein. Là, ça m'étonnerait pas qu'on ait aussi le jugement, c'est-à-dire un appel à voir les choses de façon factuelle. Voilà, le flou, ça peut être « je vous vois pas, je vous vois pas ». Je pense que vous connaissez cette référence. Voilà, quelqu'un qui conduit, il se fait poursuivre par la police. « Non, non, tout va bien, je vous vois pas. Tant je vous vois pas, ça n'existe pas. » Mais là, il y a un appel, justement, à comment dire, à voir les choses, à les observer. « Mon cœur a besoin d'une trêve. » Alors là, on a typiquement la papesse et Vesta. « J'accepte de m'unir avec mon féminin masculin sacré, c'est-à-dire tempérance. » On est dans l'union entre l'irréel, le réel, les rêves et le factuel, le yin et le yang, le féminin, le masculin, la passivité et l'action. Voilà, je prends le temps d'observer et j'agis. Comme ça, il y a plus de sagesse aussi. C'est aussi ça, la sagesse. J'ai pris le temps, j'ai pris sur moi d'observer ce que ça me faisait. Est-ce que ça me correspond? En fait, on peut avoir l'ermite aussi, je me rends compte de ça. Mais j'ai plutôt, ouais, valet d'épée. Alors, nécessité de se canaliser quand même, parce que là, c'est un petit peu, comment dire, dans les énergies, c'est chaotique. Voilà, je sens que vous avez déjà eu des, comment dire, des chambardements. Alors, la tour pourrait apparaître.
Ouais, il y a aussi. Alors, j'ai pas trop de notion de ce qui pourrait se dire aussi, mais compléter les lectures avec d'autres personnes. Hein. Yéna, que je vous recommande fortement. Donc la chaîne Sous le Shadow Tarot, ce que ça vous permettra justement d'avoir une, comment dire, une autre interprétation, une autre voix sur les cartes. Mais je suis à peu près sûre que voilà, tout le monde. Ah oui, Roland Legrand aussi, allez voir. Tout le monde le dit en ce moment. C'est fouillis. C'est bordélique. Alors, il y a eu les mouvements, hein, surtout Pluton, qui est passé quelques semaines en Verseau, qui est revenu en Capricorne. Ça. Voilà, le passage de Pluton en Verseau, déjà, on l'a senti il y a quelques mois. Puis là, on a senti qu'il était revenu en Capricorne avec cette pleine lune. Forcément, tout ce qui est à déstructurer sera à déstructurer pour mieux rebâtir, pour assurer des bases beaucoup plus solides, parce que ce qui était confortable avant ne l'est plus aujourd'hui. Uranus en Taureau, nœud nord en Taureau qui passe en Bélier, et nœud sud en Scorpion qui passe en Balance. Donc forcément, Junon, Vesta, Vénus. Tout ça, c'est l'influence aussi voilà, du nœud sud en balance qui arrive en quelques jours. Donc forcément, on est en train de se demander dans les tripes, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je veux vraiment ça? Pour le vouloir, il faut déjà, il faut avoir certaines compétences, aptitudes, qualités, enfin comment dire, appétence aussi, hein, en avoir envie. Voilà, est-ce que vous allez voir un médecin qui vous dit ouais, je vais essayer Voilà, vous confiez pas la prunelle de vos yeux déjà votre vie, celle de votre enfant, qui je pense est voilà encore plus précieuse, celle de votre animal de compagnie, voilà, votre personne de cœur, quelle qu'elle soit, enfin quelle que soit la configuration, un médecin par exemple qui vous dit ouais, bon, je vais essayer, ou un sportif qui vous dit ouais, je vais essayer, vous croyez pas en lui, vous croyez pas en lui. Donc là, l'idée, ça va être aussi d'adapter son langage à ce qu'on veut attirer et ses principes, voilà, de ce qu'on attire en fait. Hein. Ce qu'on attire, c'est ce qu'on est. Alors, quand on a, je mets un bémol très important, c'est pas parce qu'il arrive des circonstances vraiment pas cool que ça veut dire que vous êtes une personne qui ne mérite pas ou que vous n'êtes pas cool ou que sais-je, hein, d'accord? Je mets un bémol là-dessus parce que ça aussi, ça fait vriller le cerveau. Pourquoi il m'arrive des trucs moches alors que je suis une personne positive? Je pense que vous avez été plusieurs à vous poser la question, tout autant que moi j'ai pu me la poser, parce qu'on accorde beaucoup de focus sur certaines circonstances qu'on ne veut plus attirer en adaptant son langage. Ok. Au lieu de dire, bah je me suis brûlée avec du café, je veux plus de café. Imaginez, vous dites ça au serveur, le serveur il va vous dire bah j'ai entendu café, peut-être qu'elle veut du café. Non, elle veut pas de café, mais du coup elle veut quoi? Et si ça n'a pas été réfléchi, il y aura ce paradoxe énergétique, c'est-à-dire une zone de transition floue. Alors, je ramasse et ramasse et je vais voir ce que nous, enfin on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors bien sûr, je me connecte à vos énergies qui sont laissées dans les commentaires. C'est une manière de d'avoir des messages plus, comment dire, plus précis. Alors, vous reviendrez en arrière parce que pour les cartes de tarot, voilà, on va aller voir ce que nous dit le Rider-Waite, pour être plus précise, que j'utilise dans mes formations tarot d'ailleurs. Hein, si vous me posez régulièrement la question, reine de bâton. De bâton. Qu'est-ce qu'il a voulu sortir? Ouais, 5 de denier. Ok, bah c'est bien. Coucou, ce panier. Reste dans le panier, c'est pas plus mal. Voilà, 10 de coupe, c'est mieux. Ah, on a failli. Voilà. Hein. Alors, 4 d'épée. Ouais, se conditionner au bonheur, j'entends. Valet d'épée. Alors, lui, il est tombé. Ok, 5 de bâton. Derrière, roi d'épée. À long terme. Ouh, tempérance. Voilà, j'en avais parlé. Hein. Ouais, j'avais parlé de tempérance. D'accord, et on a cavalier de denier, donc on n'est pas loin de la reine, mais on c'est pas la reine, donc je vais pas non plus me raccrocher aux arbres, enfin aux branches. On a la tour, on a le 6 de bâton. Là, il y a une guérison et une reconnaissance, mais ça va passer par une estime de soi à travailler.
La reine de bâton, elle représente vraiment le fait de persévérer, de faire preuve d'endurance jusqu'à la concrétisation. Elle est dans la puissance, mais elle est aussi dans « je sais ce que je veux ». Et pour l'obtenir, eh bien, j'y mets du mien. Enfin, c'est l'action, hein, c'est vraiment le feu bâton, c'est l'animation. Je m'anime. Voilà. Des fois, ma mère elle me disait « allez, anime-toi ». J'étais « oui, je m'anime ». Elle rigolait. Maman, si tu passes par là, bisous. Alors, on a le diable, le valet de coupe. Alors, dans la synthèse, effectivement, il y a des choses qui sont en train d'être révisées. Pour moi, alors le diable peut parler de valeur, parce qu'on a le 6 de bâton, on a le 10 de coupe, on n'a que de bonnes cartes. Donc, tempérance qui vient de toute façon adoucir, hein, voilà. Mais je pense que c'est aussi tempérer. Attention à ne pas agir trop vite. Valet d'épée, c'est l'ébullition mentale, mais c'est aussi de nouvelles idées. Donc, on va compléter. Allez, reine de bâton. Pour moi, il y a une évolution. Regardez-moi ça. 10 de coupe, 10 de... Enfin, quand même. Je ne vais pas crier pour la délicatesse de vos esgourdes et vos petites... Voilà, mais reine de coupe. Alors, 10 de coupe sur le soleil. Soyons fous. Alors, attendez. Hop, j'en veux qu'une. Alors là, ça va être de se rapprocher des... Enfin, de laisser les choses... Il y a laisser le temps au temps, c'est ce que j'entends. Et aussi, de revenir à quelque chose de beaucoup plus... Il y a la sororité avec le 3 de coupe. La fraternité aussi. Mais surtout, l'entourage, voilà. D'accepter que certaines choses puissent se mettre en place. Alors, on a quand même l'étoile hein, qui nous parle d'espoir. Mais j'en veux qu'une. Non, mais j'en veux qu'une, vraiment. J'en veux vraiment qu'une. Alors, vous pouvez passer hein, ce petit moment. Alors, là, on a As de coupe, Roi de denier, Cavalier de denier. Ouais, il y a quelque chose qui se nettoie. Croyance et valeur aussi. Ah ben voilà, Reine de bâton. Alors, c'est quand même très particulier. Ici, on a Reine de bâton, 10 de coupe, 10 de coupe. Donc là, forcément, ça se passe de mots et d'interprétation. Je pense que ça parle de soi-même. Alors, Valet d'épée. Chariot, je vois bien, je sens bien. Ah, 10 d'épée. Ok, quête de bâton, c'est en amour. Hein, ça parle surtout de valeur, d'amour. Alors, tempérance, 6 de bâton. Ah, bien. Joli. Alors là, parfait. 9 d'épée renversée. La guérison, et je vous le souhaite vraiment sur le long terme, dans le sens où on fait perdurer, hein, parce que là, ça va arriver, mais on le fait perdurer. Alors là, on guérit, on nettoie une blessure de trahison. Il va falloir trouver un autre moyen de faire. Et le 9 d'épée, renversé, fin des cauchemars, fin des pensées négatives, des comportements intrusifs, des anciennes limitations... Voilà, donc le... Alors, je ne veux pas dire qu'il est positif, lui, puisqu'il restera ce qui reste ce qu'il est, hein, mais on a quand même ce côté... Allez, tour de force, défiance, apaisement. Apaisement d'un attachement toxique, et voilà. L'arcane sans nom qui est venue. Voilà, donc elle ne m'a pas fait mentir, c'est la maison 8, la maison du scorpion. La maison de la transformation et de la renaissance, donc mort et renaissance. On fait mourir tout ce qui est sclérosé en termes de croyances, en termes de limitations, en termes d'estime de soi négative. Et on va couper court à tout ça. Donc là, pour moi, il y a une résolution très, très positive. Alors, les émotions, parce que ça brasse, hein. Oui, on a la lune. Il y a quelque chose qui s'améliore, vous le savez, vous le sentez. Le pardon m'a aidé. Pardonnez-vous certaines limitations, certaines croyances, d'avoir donné du crédit à telle croyance. Si on vous a dit que vous étiez qu'une merde, ben, ça ne veut pas dire que vous l'êtes forcément, mais vous avez peut-être donné du crédit parce que la personne, vous l'estimiez ou elle était importante ou vous ne pouviez pas faire sans de toute façon. Alors, le pardon et qu'est-ce qu'on a ? La critique. Alors, ne soyez pas trop critique envers vous-même, ne laissez pas les autres vous faire croire
que leurs critiques, leurs opinions. Hein. Derrière la critique, il y a aussi la validation, le pouce bleu, vous le reconnaissez. D'ailleurs, si vous aimez bien cette vidéo, vous m'aimez bien moi, même si, bon, la vidéo, machin, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça me fait très plaisir. Sachez que je regarde tout, j'essaye toujours, enfin, je fais tout pour que les vidéos restent légères, avec le maximum de conseils dans un minimum de temps. Mais qui dit développement personnel, ce sur quoi j'axe aussi mon travail psychique, eh bien, dit développement. Et si c'est pas développé, bah c'est pas... Voilà. Bon bref, c'est le principe d'une guidance, cela dit. Alors on a la honte, la frustration, on veut de la douceur, on veut de la tendresse, on veut pouvoir gérer ses émotions dans un contexte qui est pas forcément propice. Maintenant, est-ce que pour autant ça veut dire que ça va rester comme ça? On va demander... Hop là, allez, je l'ai plié bien comme il faut. Pensée ou projet d'un changement. Alors, on a fortune de voyage, route fortune, triomphe de chance. Voilà ce qui entoure ce tirage. On va surtout demander... Attendez, hop, celle-là, voilà. Alors, changement, changer. Vers quoi on s'oriente avec cette pleine lune? Alors, homme emporté, mais bon... Bah, mais bon, c'est quelqu'un de bon, mais qui s'emporte. Alors attention, voilà, ami, homme bienfaisant et dévoué, mais ça peut être ça, justement. Donc on va couper, on va plus donner de crédit à certaines critiques, voilà, quelqu'un qui peut s'emporter, qui est quand même gentil, bienveillant, parce que ça peut être toxique, en se disant, bah oui, mais il est bon, oui, mais non, il s'emporte quand même. Donc on stoppe un peu les choses. Alors... pour moi, il y a une amélioration. Alors, bonne nouvelle de justice, on a homme de loi, pensée d'une fille bien portante. Alors, les cheveux, franchement, châtaine, rousse, blonde, brune, je m'en fous. C'est vous, en fait. Voilà, sur vos énergies sur lesquelles je suis connectée. Triomphe, joie, harmonie, grand accord. Alors, pour moi, il y a une réconciliation. Attention quand même à prendre du recul et à se dire, voilà, comment je peux maintenant améliorer les choses dans le sens ne plus donner de crédit, c'est-à-dire de croire, hein, et de valider quelque part cette critique. Parce que quand j'y crois, je valide aussi. Donc les autres ont une confirmation qu'ils sont dans leur, comment dire... un domaine d'expertise qui finalement ne les regarde même pas. Donc on les conforte dans l'idée que non. Alors là, l'idée, ça va être justement de changer ça, puisqu'on a pensé au projet d'un changement. Alors là, j'en ai trois, je n'en veux que une. Donc ça, c'est plutôt le passé. Ami franc, mais dangereux. Voilà, je viens de le lire. Tempérament un peu sanguin. Et... aujourd'hui, alors, on a l'as de soleil, l'as tout court, de cœur et de trèfle. Donc, des opportunités, renouvellement, réconciliation, c'est ce qui me vient. On va voir hein, ce que nous disent les oracles dans un instant. Et là, on a quoi? Petite... ah, querelle d'amoureux, petite brouille. Bon, ça va si elle est petite. Ok, derrière, on a quoi? Approche ou retour de chance, et je vous le dis depuis le début, pour moi, il y a effectivement quelque chose qui s'améliore grandement. Alors, justement, il faut que je fasse attention, parce que j'ai Alexa juste à côté de moi, et elle va intervenir si j'articule pas, des fois, là, je sais pas, elle intervient. Alors, comme c'est arrivé pour la vidéo des Capricornes, il me semble, alors, projet d'avenir, anticiper ce que vous... voilà, la finalité que vous voulez récolter. Le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Alors, c'est pas une réconciliation. Là, pour le coup, le passé qui revient, comme je disais, c'est le retour de Pluton dans le signe du Capricorne qui nous oblige à voir ce qui n'a pas été travaillé, ce qui n'a pas été structuré, ce qui n'a pas été déconstruit ou bien construit. Voilà. Donc, les effondrements qu'on peut vivre sont finalement salutaires. Parce que ça va permettre justement de s'occuper de tout ce qu'il y a à nettoyer, ce dont il fallait s'occuper, notamment les croyances, hein, arcane sans nom le diable. Mais mine de rien, alors là, une répétition très intéressante. Je crois que dans une vidéo, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça, que j'ai un carré, voilà, on dirait Kems contre Kems. Bref, 1, 2, 3, ouais, et au-dessus du 15.
Enfin, 14, non, 13, 14, 15, pardon. Au-dessus du 10, du coup. Alors, les projets d'avenir. On a rupture, séparation, silence, crise. Et sur triomphe. Ok. Invitation amoureuse. Alors, petite querelle. Ouverture. Alors, pour moi, il y a quelque chose vraiment dans la posture à adopter. Ouais, je vais prendre celui-là. Celui-là, il va nous dire. Alors, est-ce que dans l'évolution, aujourd'hui, on a... Attendez, hop. Dans l'évolution, parce que j'ai pas... comment dire, j'ai pas structuré le type de tirage que j'allais faire. Alors... oui, un grand retard, d'accord. Pour moi, il y a quelque chose qui, voilà, qui dans le contexte est en train de s'améliorer. Hein. Donc aujourd'hui, on a quand même des projets d'avenir avec quelqu'un, mais ça se passe peut-être pas de la manière dont on le souhaite. Et aujourd'hui, voilà, il y a une invitation à reposer les énergies, à se demander est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite, comment je peux changer les choses. Alors là, on a mariage, donc on retrouve Junon et Vesta du début, surprise, tendresse, sur les énergies d'aujourd'hui. Alors, protecteur, romance, il y a aussi, ouais, derrière, fin de l'attente, amour, retard, ouais, effectivement, querelle, ça a été, voilà. Effectivement chaotique. On a militaire. Alors, homme de loi. Quelqu'un de têtu, j'entends. Alors, attendez. Hop. Dans le futur. L'évolution suite à cette pleine lune en Capricorne. Pour les personnes qui nous regardent. Alors, non. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme énergie? Et voilà. Ça y est. Victoire. Bon, bah, victoire, hein, j'ai envie de vous dire. Romance. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et qui va être beaucoup plus, délicieux, dans le sens, ça va être plus plaisant à vivre. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, on va regarder ici, je vais en prendre, je fais mes petites courses. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, l'océan, je peux vous dire qu'il est très profond. Votre amour pour vous-même aussi, hein, d'accord ? Ne vous lâchez pas dans cette période. Voilà, en tout cas, moi, je continuerai, enfin, dans la mesure du possible, à vous fournir des tirages tous les jours sur Instagram. Je répète, hein, ce qu'on m'a demandé, pourquoi je peux pas les mettre sur Facebook, c'est tout simplement Facebook et le format qui veut pas, donc ça passe pas. Et voilà, alors, on a quoi d'autre? Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Alors oui, effectivement, la croyance, hein, abandon, parfois nous devons nous défaire du passé. Afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors je vous le souhaite, honnêtement je vous le souhaite. On va voir. Ah, je te surveille. Ah oui, ce qui fait que ça retarde un petit peu les choses, on a patiente encore un peu. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, là je peux pas vous dire qui est qui. Ça peut être une énergie miroir, donc attention. Et puis si on se dit qu'est-ce que l'autre va faire, l'autre va sentir une pression à faire les choses. C'est pour ça qu'on vous dit relâcher aussi. Je vous laisse lire le message, hein. Voilà, vous faites pause. Est-ce que je peux, voilà, améliorer la visibilité? Ok. Alors, des petits messages avant de se laisser. Hop là, j'ai des doutes. Questionnement. Dans la situation actuelle. Ok, ce qui va aider, la libération. On se priorise, on fait preuve de courage, et je pense qu'aussi la personne va se faire preuve de courage. On s'y libère de la dévalorisation aussi. Voilà. Là, le problème, c'est la dévalorisation, donc forcément,
En se priorisant, on montre qu'en fait, on se dévalorise plus, tout simplement. Donc, les énergies en face se mettent aussi en place. Toi et moi, alchimie, alors de toute façon, il y a quelque chose de très fort. S'il y a une nouvelle relation, alors, invitation amoureuse, approche, retour de chance, ouverture, possibilité. Il y a quand même ces énergies critiques, honte, croyances limitantes qui vont peut-être un petit peu ressurgir. C'est normal, c'est comme ça. Maintenant, je me concentre sur la personne que je suis et que j'aspire à être. Et là, les choses devraient évoluer d'ici peu. Alors, on a réunion, voilà, engagement, objectif ultime. Pour moi, il y a une amélioration. Une prise de posture, un travail à faire, voilà, sur la culpabilité, la honte, mais cette pleine lune, elle va effectivement chambouler un peu. Ceci dit, c'est pas plus mal au vu de ce qui, de ce qu'on peut récolter, donc ça en vaut largement la peine. Demandez-vous si ça en vaut la peine pour vous. Si vous avez les ressources et moyens, que ce soit psychique, émotionnel, etc. Si c'est pas le cas, vous pouvez vous dire bah ouais, mais c'est vrai que là, je le veux, mais c'est dans une énergie de désespoir, de peur, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour avoir davantage de patience, pour lâcher prise? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien? Et là, vous avancez. Voilà les amis, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, je vous aime, je vous souhaite une très belle semaine, une belle pleine lune, super pleine lune, donc elle va être assez agréable à regarder. En tout cas, voilà, je posterai des photos si j'ai l'occasion sur Instagram, je peux pas m'avancer, je sais pas. Mais voilà, le cœur y est, je vous embrasse, encore une fois, prenez bien soin de vous. Vous avez tous les liens pour me joindre sous la vidéo, donc je vous laisse avec ces petits liens. On peut se retrouver dès tout de suite sur mon site web, Facebook, Instagram, bien sûr. Et pour le reste du temps, je vous dis très belle évolution. Bye bye!